de découvrir le monde en train. Il y a un pays. Il y a un pays qui est super, c'est le Pérou. Il y a les voies ferrées parmi les plus hautes du monde. Ici, on passe à 4782 mètres. Il y a les trains parmi les plus luxueux du monde. Il y en a d'autres qui desservent des sites mythiques. Je vais donc partir à la rencontre des Andes et des Andins. Dès qu'il y a un train. Combien de temps, là, à peu près ? 8 horas. Au Pérou, les trains sont incroyables, ils sont pas comme les autres, mais ils sont assez rares. Vous allez voir, je vais vous expliquer un truc. Là, on est sur la Plaza Mayor à Lima, qui est la place centrale de la vieille Lima. Vous avez en face l'hôtel de ville, là vous avez le palais présidentiel. On est au cœur d'une métropole de près de 10 millions d'habitants, donc on s'attend à trouver dans le secteur une bonne grosse gare. Mais en fait, la gare, vous voyez, elle est là-bas, elle a une taille de petite gare provinciale, et surtout, vous allez voir, il y a un truc bizarre. Vous voyez, quand vous arrivez à la gare, il n'y a pas marqué gare. Il y a marqué Casa de la Literatura. Ce qui, même quand on ne parle pas espagnol, on sent bien que ça ne veut pas dire gare. Et il y a des grandes affiches qui vantent des écrivains. Et quand vous rentrez à l'intérieur, quand vous accédez là, à l'escalier principal, déjà il n'y a personne. Mais c'est surtout parce que maintenant l'escalier, il amène à une bibliothèque. Regardez. C'est dingue. Et pourquoi? Parce qu'en fait, de Lima, la capitale du Pérou, en ce moment, il ne part que 2 trains par mois. Et là, vous avez un train mythique. Ça, déjà, c'est le son du train mythique. Ça, faut que je me dépêche. Ça, c'est le train qui va partir à l'assaut des Andes. Ça, c'est un grand moment. Regardez. Au Pérou, on l'appelle le train des nuages, tellement il va haut. C'est vraiment un très très beau train. J'ai fait pas mal de trains pas comme les autres. Celui-là, je dois vous dire qu'il est top. Le train des nuages est parti pour monter à près de 4800 mètres. C'est parfois plus haut que les nuages. Le voyage va durer plus de 10 heures. C'est ce train que prenait Tintin dans le Temple du Soleil. Aujourd'hui, on le prend pour les loisirs, pour passer un beau week-end. Au Pérou, offrir un ticket pour le train des nuages est une très jolie attention. Il y a 2 jours, je pensais qu'aujourd'hui je travaillerais. Mais ma sœur m'a appelée pour me dire qu'elle prenait le train pour Incayo. Et elle m'a demandé comme ça, tu veux m'accompagner? Alors tu penses, j'ai tout de suite pris un jour de congé et je suis venue en courant. C'est un très beau cadeau, c'est merveilleux. C'est mon anniversaire en avance. Si vous avez besoin de personnes pour traiter avec vous, volontiers. Vous parlez français, vous? Eh ben, tiens donc. Comment ça se fait? Vous venez d'où? De Suisse. De Suisse? Ah oui, dans un pays de montagne, et quand vous venez en vacances, vous allez à la montagne. Bah oui, mais justement, c'est un rêve d'enfance qu'on a accompli, donc je suis très contente. Qu'est-ce que ça représente, ce train, pour vous? C'est, le Pérou, c'est quand même mythique, et je pense qu'au niveau énergétique, c'est aussi un haut lieu. C'est pas un hasard que les Incas se sont installés ici. Au niveau énergétique, c'est un haut lieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous ressentez des choses? Non, pour l'instant, je les sens pas encore, parce que le train va lentement. Donc on est obligé de prendre, d'entrer dans un rythme. Et je pense qu'au fur et à mesure du voyage, là, on va ressentir l'énergie que les Incas nous ont donnée, nous ont transmise. L'avantage du train, c'est la lenteur du déplacement. Tu ne peux pas aller trop vite avec le train, tu ne peux pas aller plus vite qu'un train. Donc tu vas sans rythme, tu penches d'un côté, de l'autre, tu tangues avec le train.
Mais pourquoi c'est bien d'aller lentement? Justement, dans un monde de fous comme on vit aujourd'hui, on a besoin de cette lenteur. Tu peux monter? Être à l'avant de la loco, à la tête du train des Andes comme ça, dans le genre rêve de gamin, c'est pas mal, hein. Super belle votre loco, elle est magnifique. Vas-y, vas-y. Est-ce que ça vous plaît de conduire cette locomotive? C'est très excitant, très émouvant. Et pourquoi c'est émouvant? Porque caramba, c'est... Parce que j'ai conduit une locomotive qui tire 2300 tonnes. C'est une grande responsabilité. Tout le monde n'est pas capable de faire ce job. Mais c'est émouvant parce que quelqu'un ne peut manager un train. Moi, j'en rêvais depuis que j'étais gamin. Pourquoi c'était un rêve de gamin? J'ai toujours vécu près de la voie ferrée. Je voyais passer les trains et mon rêve, c'était de monter dedans. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement dedans. C'est moi qui l'ai conduit. Et donc vous êtes heureux à chaque fois que vous conduisez le train, vous ne vous lassez jamais? Ça fait longtemps que je l'ai conduit, mais je suis toujours aussi ému. À chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. Allez, vas-y. C'est ça? Ah ouais. Ça fait des frissons. Encore un coup. On est arrivé à un zigzag. Le chef du train va descendre basculer les aiguillages pour que le train monte la pente. Ah, c'est vraiment un gros jouet, j'adore. Attendez, que je comprenne. Le train, il arrive de plus bas, là. Il recule au fond d'une espèce de cul-de-sac. Et là, on manœuvre un aiguillage. Hop. Et il repart... Par la voie qui monte. Ah, d'accord. Et vous descendez du train à chaque fois pour faire la manœuvre à chaque zigzag? Oui, je dois faire la manœuvre très vite, il faut qu'on parte. Donc là, je suis en train de vous ralentir alors. Así es. Bon, on y va. Cette voie qui date du 19e fut longtemps la plus haute du monde, avant que les Chinois ne construisent la ligne qui mène au Tibet. On ne s'en rend pas compte, mais le train grimpe rapidement. L'air de rien, nous sommes déjà à plus de 3600 mètres et les premiers effets de l'altitude commencent à se faire sentir. Il y a toujours une infirmière à bord, au cas où. Bonjour, comment vous sentez-vous? J'ai la tête qui tourne. Vous vous sentez mal? Des nausées. Oui. Mal de tête, nausées? Vous manquez un peu d'oxygène? Je vais vous donner un peu d'alcool et de l'oxygène. Et vous vous sentirez mieux. Pourquoi est-ce qu'on donne de l'oxygène dans ces cas-là? C'est pour compenser le manque d'oxygène dû à l'altitude. Si, gracias. Et ça va mieux? Oui. C'est? Oui. Beaucoup mieux. Oui. Avec l'oxygène, beaucoup mieux, oui. Ah. Est-ce que ça peut être très dangereux, ce mal d'altitude? Oui, c'est très dangereux si on ne le soigne pas dans les temps. Il y a même une voiture qui suit le train en parallèle en permanence. Et en cas d'urgence, si un passager a un mal d'altitude sérieux,
On l'évacue vers l'hôpital le plus proche. À un hôpital más cercano. Ah oui? Si. Bah dis donc, c'est une aventure ce train quand même. C'est une aventure. Voilà, c'est là. C'est la station la plus haute de toute la ligne. On est à près de 4800 mètres, regardez ça. C'est quand même magique, non? Waouh. Ça va? Ça va bien, oui. Et vous? And you? Oui, et vous? Bah, un peu, ouf. Vous venez d'où? De France. How do you feel? Et vous, comment vous vous sentez? Ben, c'est un peu la tête qui tourne. It's drink without alcohol. C'est comme boire, mais sans alcool. Ok. Moi, j'ai un peu de mal à marcher dans l'eau. Voilà. C'est vrai. On se sent un peu sous. Hein. Il y a tous les effets du... J'ai envie de rigoler, je veux pas. En fait, regarde, tout le monde rigole. Je pense que tout le monde est un peu... Mais sans alcool. Comment est-ce que t'as, amiga? Bien, bien. Bien. Vous savez, il y a un secret. Quand on commence à prendre de l'altitude, quand on arrive à 4000 mètres, nous, on mâche de la feuille de coca. Ah, si? Ouais, on mâche la coca et c'est très bon pour réguler la pression. Ah, elle a sa petite boîte de coca dans la poche. Oui, on mastique la feuille de coca. Et c'est très bon pour réguler la pression. Ah, je peux essayer? Oui, oui, vas-y, mange. Ça aide à supporter l'altitude. Quand on manque d'oxygène, on mâche la feuille de coca et tout de suite, c'est parfait. C'est merveilleux, on se sent bien. Ça a le goût de thé. Ça donne de l'oxygène. La coca, ça oxygène. Ah ouais? C'est bon pour la pression. Je sais pas si je rentre en France avec des feuilles de coca et que je dis au douanier, monsieur le douanier, je ramène ça parce que ça oxygène. Pas sûr qu'ils comprennent. Passé le point le plus haut, le train redescend vers un autre monde. Il y a les villes de Huancayo, de Huancavelica, mais c'est surtout un univers de montagnes et de villages, tous situés à des altitudes qui me paraissent complètement déraisonnables. Dans les villes en bas, on est à plus de 3200 mètres, et les sommets peuvent afficher les 5000. Voilà. Pour essayer de m'acclimater à l'altitude, je décide de rester dans la région et de partir découvrir les villages. Ici, le moyen de transport le plus populaire, c'est le minibus. Et comme le train, c'est un bon moyen pour faire des rencontres. Vous avez un super beau chapeau, vous le mettez aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale ou quelque chose? Non, je le porte tout le temps. Francisco fait partie des Chopra, une très ancienne communauté installée dans les montagnes. Il en est très fier. Bah c'est vite de la piste. Ah, ici, ce qui est marrant, c'est que dès qu'on fait 500 mètres, on monte 200 mètres. Il n'y a pas le choix. Et ahorita, justamente... Tu sais, on vient de finir toutes les récoltes. Alors, aujourd'hui, au village, c'est la fête. Aujourd'hui? Oui. Ah ben, c'est super. Alors, c'est très marrant parce que juste à la sortie de l'école, il y a tous les petits écoliers et il y a spectacle. Donc, ça c'est quand même marrant. Et qu'est-ce que c'est que cette danse? Ça s'appelle comment? C'est la danse des ciseaux. Hala tosui. Lui, c'est le maire. Et l'autre est le maire. Monsieur le maire. Alcalde. Et l'autre, c'est le président. Lui, c'est l'agent municipal. La danse des ciseaux est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Le rythme est donné par le son des branches de ciseaux qui s'entrechoquent et le danseur a pour mission d'étonner le public par toutes sortes d'acrobaties comme mimer la mort d'un chat. Ah bah dis donc, ça c'est un petit... C'était la mort du chat. Alors là, bravo. Je suis impressionné.
Il est en train de flancher. Oui, oui. Bon. L'arbre est en train de prendre le dessus. On cherche celui qui tient le plus longtemps. Donc on change de conducteur là. Il y a le ravitaillement. Et qu'est-ce qu'il y a, dans la... Venez voir par ici. Qu'est-ce qu'il y a que... C'est quoi? Mais c'est pas de l'eau ça. Non, c'est agua. Mais c'est du dopage. Vas-y, fais-le porter. Vous voulez que je fasse? Oui, mais je sens que je vais être ridicule là. Donc, et voilà, tout le monde rigole. Ah mais il y a un truc pointu qui rentre dans le dos. Il y a un truc pointu. Para. Ah stop. Para, por favor. Para. Tout ça à 3008 sans oxygène. Est-ce que ça vous fait plaisir de mener des hommes par le bout du nez comme ça? Vous savez, il y a un secret, un vrai secret. Les hommes, il faut que ce soit une femme qui les mène. Sinon, il n'y a rien à faire. Ça n'avance pas. C'est que ce truc. C'est une compétition. Compétition de quoi? Bah, c'est une compétition où en fait les concurrents ne sont pas très très réglés. Ton adversaire peut te donner un coup par surprise, un grand coup par derrière, et s'il te fait tomber par terre, si t'es au sol, c'est lui le vainqueur, c'est le meilleur. C'est une coutume très ancienne qui vient de nos ancêtres. Desde lo antepasado que han practicado. Et maintenant, là, vous réglez encore quelques comptes à coup de coude? Si. Oui. Se retan. Il y a encore de vrais duels. D'homme à homme. A hombre à hombre. No? Pour ça, on se donne rendez-vous en dehors du village. Dans un endroit connu pour ça. Irnos, no? Hay un lugar conocido, sí. On va rester amis. Hein? Amigos. Nesda. Si. Amigos, tranquilo. Est-ce que ça vous impressionne, des hommes forts comme ça? Si, oh oui. Ils sont très costauds. Ce sont de vrais hommes. C'est parce qu'ils mangent de la soupe de poule, de l'orge et du blé concassé. T'as vu? Même les petits arrivent à porter l'arbre. Et toi? Tu n'as pas résisté. Tu es tombé. Tu es grand, mais t'es pas très costaud. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est un tchopka? Qu'est-ce qui caractérise le tchopka? Tchopra, nous, les tchopra, nous venons de la terre, nous venons de l'eau. Nous sommes forts. Nous sommes forts et respectueux. Nous ne nous rendons jamais. Jamais. Même s'il s'en coule, on ne s'y rend pas. Mais quand vous dites on ne se rend jamais, à qui est-ce que vous ne vous êtes pas rendu récemment? Il y avait du terrorisme dans la zone d'Ayacucho. Empezó pues el terrorismo. Le peuple Tchoukra ne s'est pas laissé faire. Il s'est soulevé. On ne s'est pas laissé faire. Sous cette petite phrase se cache le combat de tout un peuple. Dans les années 80 à 2000, le groupe terroriste du Sentier Lumineux et la guérilla contre l'armée péruvienne auraient fait près de 70 000 morts, et particulièrement dans ces régions des montagnes. On n'a jamais baissé les bras. Toutes les nuits, du soir au matin, on faisait le guet. On n'avait pas peur. Ni peur, ni faim. On résistait. Même les femmes enceintes prenaient leur tour de garde.
Parfois, elles ont même accouché sur place. On a résisté. Mais c'est très très fort parce que c'était des hommes armés, très très durs. Vous étiez vous-même armé pour vous battre? Je vais vous dire, nous, on a une arme secrète. C'est notre force mentale. On avait juste des piments piquants dans nos poches et on utilisait des frondes, les mêmes que celles de nos ancêtres. Eh bien, nos armes étaient plus efficaces que celles des terroristes. Mais vous êtes très très courageux. Le lendemain, je pense à cette communauté, isolée, à sa force, discrète, humble, mais bien réelle. Je me demande si les Incas, qui étaient aussi un peuple des montagnes, leur ressemblaient. Je décide donc de partir pour leur ancienne capitale. Hélas, pas la moindre voie ferrée dans le secteur. Je vais donc devoir me débrouiller pour avancer. Mais je peux pas aller avec vous sur votre cheval? Ah bah non, le cheval ne peut pas supporter le poids. Ah bah disons, c'est pas sympa, pourtant j'ai fait un petit régime pendant le tournage, non? L'ancienne capitale des Incas est à environ 3400 mètres d'altitude. Son nom, Cusco, ce qui, en quechua, la langue des Incas, signifie le nombril du monde. C'est pas modeste, mais c'est efficace, et ça donne envie d'aller voir. Gracias. Ciao. Voilà. Voilà le nombril du monde. Quand même pas mal, hein? Le centre de l'Empire, une sorte de rayonnement qui se dégage ici, on le sent tout de suite. Et alors là, la place que vous voyez, c'était déjà la place centrale de la ville Inca à l'époque. Et de là partaient les quatre grandes routes qui desservaient les quatre grandes régions du monde Inca. Un monde qui allait vers le sud jusqu'à une bonne partie du Chili et de l'Argentine, et puis vers le nord jusqu'à l'Équateur et une bonne partie de la Colombie. C'était un empire gigantesque. En fait, le nombril du monde aujourd'hui, il ne fait plus tellement Inca. Il fait même plutôt espagnol. Quand les conquistadors sont arrivés en 1533, ils n'ont pas fait dans la dentelle et ont détruit beaucoup d'édifices. Mais si on sait ouvrir l'œil, on repère très vite que les Incas sont toujours là, qu'ils ont laissé des traces indestructibles. Dans toute la ville, il y a des murs faits de grosses pierres qui soutiennent les nouveaux bâtiments. Eh bien, ce sont les bases des anciens édifices incas. Et si vous regardez d'encore plus près, vous verrez que ces murs sont un mystère. C'est un assemblage parfait, au millimètre, de pierres qui sont toutes différentes. J'ai rendez-vous avec Ricardo, architecte péruvien. C'est un expert. C'était des as du puzzle, c'est des champions de puzzle, les Incas. Oui, et justement, le mur, il n'a pas de mortier. Ouais. Donc, chaque bloc doit s'attacher avec le bloc suivant. C'est s'attacher, le haut aussi. Qu'est-ce que vous entendez par s'attacher? Présenter des angles qui permettent que le bloc ne bouge pas entre si. Par exemple, on voit ici un petit angle, ouais. C'est un franc. On pourrait dire aujourd'hui que ça pourrait être un caprice, mais non, il travaille comme franc pour que les blocs ne poussent pas les autres s'il y a un séisme ou autre. Ah, c'est un frein en cas de séisme? Ouais. Mais alors, du coup, est-ce qu'ils imaginaient sur plan la forme de chacune en fonction de l'autre? Oui. Comme on voit, les angles sont préparés à l'avance pour que le prochain bloc pourra s'asseoir littéralement dans la surface pré-créée avant. Chaque bloc, c'est une œuvre d'art. Mais il y a encore plus fort. Ricardo a très envie de m'emmener à quelques centaines de mètres de là, dans les ruines de l'imposante forteresse Inca qui domine la ville. Regarde là. Oh,
C'est ça. Voyez la taille de ces énormes blocs. C'est énorme. Qui sont là. Et voilà, la forteresse de Sacsayhuaman. Ah oui, ça c'est de la... Oui. C'est de la grosse pierraille, hein. Très, très gros. Et ça pèse combien de tonnes, ça? Entre 80 tonnes, d'autres plus grands arrivent jusqu'à 100 tonnes. Et alors, moi, la question que je vous posais absolument... Comment ils déplaçaient les blocs? Voilà, parce que... Je pense toujours... Comment est-ce qu'ils déplaçaient ça? Parce que les Incas, quand même, ne connaissaient pas la roue. Non, ils ne connaissaient pas la roue. Et ils n'avaient pas d'animaux de trait, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de chevaux pour tirer. Non. Le seul animal qu'il y avait, c'était les lamas. Qui peut porter quoi 20 kilos. 20 kilos. C'est un gros mouton, c'est tout. C'est un gros mouton. Donc, comment un Inca sans roue et sans animal de trait peut déplacer ceci? Voilà, il y a certaines théories. Ouais. Une que je commence à penser tout de suite, c'est les extraterrestres. Peut-être longtemps avant, avec ces grosses machines, ils ont commencé à léviter les blocs en train de les emplacer sur place. D'accord, donc là vous êtes en train de vous moquer de moi. Parce que alors je vois que vous n'y croyez pas une seconde. Et pourquoi les extraterrestres auraient construit un machin pareil? Il y a une personne qui soutient ça, von Däniken, un explorateur. Mais de quel pays? Suisse. Et c'est quoi sa théorie à lui exactement? Oui, que les soucoupes volantes en fait prenaient les blocs, ouais, les déplaçaient jusqu'à le site de construction. D'accord. Ils les emplaçaient en plus. Donc la soucoupe volante vue comme une espèce de grue de chantier en fait. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Sinon? Mais c'est sinon... ce qu'on pense plutôt. Est-ce que les blocs ont été déplacés par des centaines d'ouvriers incas pendant plusieurs années en train d'utiliser des rondins pour pouvoir rouler les blocs petit à petit? Les rouler. Voilà, les rouler petit à petit en train de graisser la pierre et les rondins de telle façon que la pierre avançait mètre à mètre, peut-être 10 mètres pendant 5-6 mois. Et comme ça, ils ont fait arriver les blocs depuis la carrière, pendant 15 ans, 20 ans, ouais, petit à petit. C'est que le transport des pierres durait 15 ans? Oui, ouais, seulement le transport. Il se dégage un truc hein, dans ce lieu. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est les gens, nos ancêtres. Les Incas. Les Incas, la patience avec laquelle ils ont travaillé, cet amour pour ce qu'ils faisaient, a resté ici, peut-être comme une sorte d'énergie. Cette énergie particulière, je la ressens dans toute la ville. Il suffit juste de se promener dans le centre de Cusco pour l'apprécier. J'aime bien cette ville, c'est une vraie petite ville des Andes. Il y a une ambiance. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des hamsters partout. Des cochons d'Inde. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est des cochons d'Inde. Pourquoi vous pelez et vous faites bouillir des cochons d'Inde? Parce qu'on les mange sans les poils. On mange des cochons d'Inde? Oui, c'est bon. On les fait cuire au four. C'est un plat typique. Si? Et c'est bon? Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le petit? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je leur coupe le cul. Et pourquoi est-ce qu'il faut couper les fesses du cochon d'Inde? Parce que c'est pas beau. C'est aigre. Et pourquoi est-ce que c'est toi qui coupes le cul des cochons d'Inde? Parce que j'adore ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les culs de cochon d'Inde coupés? C'est pour donner à manger aux poules. Le cochon d'Inde est utilisé par les guérisseurs. Ils le passent sur la personne malade. Ensuite, ils ouvrent la bête en deux et ils arrivent à lire dans ses entrailles la maladie dont souffre la personne.
Et qu'est-ce que vous faites avec ça? On le boit. Ah, si? C'est un remède contre le diabète et le cancer. Et vous le mettez où? Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh non! Elle le mange tout cru. On mange du cochon d'Inde depuis les Incas, nos ancêtres. Ils les consommaient. C'est un vrai plat traditionnel. Vous savez, on a trouvé des momies d'Incas avec des cochons d'Inde momifiés à leur côté. C'est la première fois de ma vie que je vais manger du cochon d'Inde grillé. Je suis désolé, hein. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc honteux. C'est délicieux. Le cochon d'Inde, c'est très nutritif. Il y a plus de vitamines que dans la viande de vache. Ils sont élevés à l'ancienne, avec de l'herbe. Ça donne la force. Fuerza. Cette nuit, tu vas avoir une grande puissance. Gonflé à bloc par l'énergie du cochon d'Inde, me voilà maintenant à la gare de Cusco. Et au Pérou, prendre le train, c'est souvent un moment exceptionnel. C'est la classe. Alors ça, vous voyez, c'est top luxe. C'est un des plus beaux trains du Pérou. Vous voyez, c'est le train qui dessert, attention, site mythique, le Machu Picchu, qui est à peu près à 4-5 heures de train d'ici. Et là, vous voyez, ce train, il s'appelle le Hiram Bingham. Hiram Bingham, c'est l'homme qui a découvert le Machu Picchu. Et c'est pas si vieux, c'était en 1911. Bienvenue à bord du train Hiram Bingham. Voici votre table. Le train va rouler dans cette direction. Vous pourrez profiter d'une voiture bar panoramique à l'arrière. Il n'y a pas foule. Il y a des autres passagers qui vont arriver? Non. Habituellement, il y a plus de voyageurs. C'est un peu exceptionnel. C'est très, très exclusif, en fait, aujourd'hui. Exactement. Ce sera un service de première classe. Nous serons entièrement à votre service. Un vrai repas de gourmet. Ah, écoutez, ça me plaît bien. Ça me plaît bien comme programme. D'accordo. Pour moi tout seul. Ça doit arriver à peu près une fois dans une vie. Ce sera donc nappe blanche et service aux petits oignons, dîner à base de viande d'alpaga et de vin fin d'Amérique du Sud. Une déco intérieure façon wagon Pullman des années 20, le tout dans un climat, pas de folle ambiance. Le luxe dans la solitude, j'aime bien, mais pas trop longtemps. Je terminerai donc le voyage en cuisine. Le train file vers le Machu Picchu, enlongeant la vallée sacrée. Une vallée qui rassemble de nombreux sites incas, comme la petite bourgade d'Ollantaytambo. J'ai très envie de m'y arrêter, car la ville a gardé le même plan qu'au temps des Incas, avec des ruelles toutes droites et des petits canaux. Mais en fait, ce qui me surprend le plus en arrivant, c'est l'explosion de couleurs. Alors, aujourd'hui, il y a une ambiance un peu particulière dans le village. Vous voyez, il y a plein de gens. C'est ambiance pique-nique, barbecue, ça papote, ça a l'air très paisible. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est jour d'élection. Et c'est pas n'importe quelles élections, parce que c'est les élections présidentielles. Donc, voilà. Salut, comment ça va? Philippe. Kimi.
Ça va? Vous avez bien voté? Et vous venez de loin pour voter? Je suis de Uyghur. À 2 heures de marche d'ici. 2 heures. Ah, disons, vous avez marché pendant 2 heures pour venir voter? Oui. Je suis venu avec ma femme et ma petite fille. Voilà. Et le reste de ma famille est pas loin. Mais c'est obligatoire le vote? Vous êtes obligé de venir? Pour moi, oui. Je dois aller voter. C'est obligatoire. Mais si jamais vous votez pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne vote pas, on doit payer une amende de 73 soles. Ah ouais, 73 soles, ça fait un bon petit 30 euros. Ah ouais, quand même. Donc tout le monde vote alors, du coup. Oui. Bon, alors, il faut bien que tu t'accroches. Pourquoi? Parce que sinon tu peux tomber. Ah bon? C'est dangereux? Perigoso? Un peu dangereux, oui. Ah si? Je ne savais pas, c'est qu'après une longue route en camion, il fallait rajouter une bonne heure de grimpette. Quand on est invité à dîner chez des Péruviens, il faut toujours prévoir de bonnes chaussures. La vue imprenable. Passa, amigo. Si. Et vos œufs? Salut, bambino. Wildon. Comment tu t'appelles, toi? Comment tu te llamas? Wildoni. Mais elles sont toutes petites à éplucher, c'est pas facile. Ce sont les pommes de terre qu'on cultive, naturelles. J'ai l'habitude de les éplucher. Et vous auriez pas envie d'utiliser justement un peu de produits chimiques pour avoir des pommes de terre plus grosses, qui nourrissent plus, qui poussent peut-être plus vite et qui sont plus faciles à éplucher? Les produits chimiques polluent la terre. Nous, on n'utilise que de la bouse de lama ou d'alpaga, qui laisse la terre saine. Ah, c'est étonnant comme réponse parce que il y a une bonne partie de l'humanité qui s'est dit « Moi, je vais utiliser un peu de chimique parce que ça me rendra la vie plus facile. » Pourquoi pas vous? Les produits chimiques rendent la terre malade. La terre et les hommes aussi. On n'utilisera pas ça. Jamais. Pas mal. Quel bonheur, cette soupe. Voilà. Ils sont déjà tous à fond. Qu'est-ce que vous faites là? Vous creusez pour planter quoi là? Je suis en train d'aider le propriétaire du terrain qui est là. Encargado. Si, dueño de la chacra. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous travaillez pour lui? Il vous paye? Non. Aigné. Ça s'appelle l'aigné. C'est une entraide, une sorte de troc de travail. Me va ayudar. C'est comme le faisaient nos ancêtres, les Incas. Un jour, il travaillera pour moi. Par exemple, samedi, je fais des travaux. Il va venir m'aider. Vas-y, essaye, mon ami. Oui, je veux bien essayer. Et ça, c'est une bêche Inca, ça? Oui. Le même? Oui. C'est un instrument Inca, ça. C'est la première fois que j'utilise une bêche Inca.
Attendez, qu'est-ce qu'il m'a dit? Comme ça? Oh, si. Ah, si. Comme ça? Si. Yeah, okay. Comme ça? Oh. Mais c'est que de la roche. Mais c'est que de la roche. C'est pour la pierre. Si, pour la pierre, est. Oh la vache. C'est impossible, et en plus c'est en pente. Voilà. Il fait ça. Yeah, ok. C'est bien, non? Ok. Ok. Vale, vale, vale. Vale. Hola. Les femmes, femmes creusent et font un petit tunnel. On construit un four pour cuire nos petites patates. Moi, ce que j'aime bien, c'est cet esprit vraiment communautaire. C'est-à-dire qu'on travaille pour le voisin qui travaillera pour vous le coup d'après. Les femmes viennent faire la popote sur le champ. C'est très, très, très communautaire. Ça me surprend beaucoup. Patates dans les champs péruviens trempés dans une petite purée d'avocat, c'est quand même pas mal. Ouais. On se déplace pas sans leur petite purée d'avocat, évidemment. Je vais tisser un poncho, un bonnet et une ceinture pour toi. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras les porter. Oh, c'est super gentil. Merci. C'est super mignon. Merci. Si. Muchas gracias. Là, c'est le grand jour. Là, c'est le... J'ai fait un peu traîner jusque-là parce que vous savez, comme pour tous les sites mythiques, on n'a pas envie d'y aller tout de suite, on a envie de faire monter un peu le plaisir. Mais là, c'est le moment. Je vais prendre cette bonne vieille, on dirait la Micheline que je prenais quand j'étais petit à Ben-Marie-sur-Crète. Donc la direction, le Machu Picchu. Pour aller au Machu Picchu, il n'y a pas le choix. C'est à pied ou en train. Il n'y a pas de route, seulement une voie unique qui serpente dans la montagne et transporte chaque jour des milliers de visiteurs. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est que le Machu Picchu a ses mordus, ses accros. David fait le voyage au moins une fois par mois. Le Machu Picchu, c'est son havre de paix, sa passion, son petit bonheur. C'est un amoureux des légendes et des mystères de ce lieu. J'espère bien pouvoir le retrouver plus tard. Pour l'instant, j'ai un peu le trac. Je me sens tout à coup comme timide. Cet endroit me faisait déjà rêver quand j'étais enfant. C'était la cité perdue, le lieu mystérieux absolu. Et là, je suis sur le point d'y entrer. C'est maintenant. Oh. Ah, c'est énorme. Et c'est gigantesque. Regardez ça. Ah, dis donc. Ah, mais j'imaginais pas du tout ça aussi grand. Je comprends la sensation de Hiram Bingham quand il a découvert cet endroit. C'est il y a pas si longtemps, c'était en 1911. Quand il a vu ça, cette sorte de forteresse accrochée à la montagne, perdue dans la jungle, parce que c'était recouvert de forêt à l'époque. Il a pensé immédiatement que c'était là. La dernière cité inca, le dernier refuge, le dernier bastion des Incas où ils s'étaient recroquevillés
pour essayer de résister à l'invasion des Espagnols. On sait aujourd'hui que Machu Picchu ne fut pas le dernier refuge des Incas, mais il plane encore beaucoup de mystères autour de la cité perdue. Je suis pas déçu, hein. Je t'avais dit, c'est calme, c'est tranquille ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses? C'est un endroit pour tromper, pour réfléchir, pour laisser les problèmes de la ville. C'est plus que du calme, c'est au-delà, il y a quelque chose qui transporte, qui soulève, qui élève. C'est... Oui, en fait, toi tu peux rêver ici, ouais. Tu peux rêver... Tu c'est ça, c'est un site pour rêver en fait. Oui, toi, c'est un endroit assez magique, on peut dire. C'est quoi en fait ici? Parce qu'il y a au-dessus d'un pic, il n'y a rien. Regarde là, la terrasse là. C'est ici qu'on cultivait, hein. On cultivait des maïs, un peu de pommes de terre, patates. Et voilà, comme ça, on remplissait l'estomac. Nous, on sait que les Incas, ils pratiquaient les systèmes de redistribution des richesses, on peut dire. Oui. Par exemple, la population normale, ils vont travailler et ce qu'ils ne vont pas utiliser, ils ne vont pas les consommer. Ils vont les garder dans des dépôts. Mm-hmm. Dans les grands dépôts, comme ce que nous savons de ce côté-là. Et après, dans les années où on va y avoir des sécheresses, des inondations, les chefs Incas, ils venaient dans les grandes places, justement, et ils faisaient la redistribution aux personnes qui étaient là, pour éviter la famine, pour éviter la mort. Donc il y avait un petit côté social. Toujours, le côté social, toujours à côté. Toujours. En fait, tout appartenait à tout le monde, à la communauté. Il n'y avait pas de propriété privée. Les Incas, ils ne sont pas connus de la propriété privée. Les Incas, déjà, ils ne sont pas connus de la monnaie. Les Incas n'avaient pas inventé l'argent. Non, 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 non. Ah. Ils faisaient des trocs. C'est pas juste beau, c'est vertigineux, en fait. Oui, mais comme un temple, c'est le paradis. C'est le paradis? Regarde-toi, tu es au sommet, au ciel. Tu as touché les nuages. On est au paradis Inca ici. Bien sûr. Regarde là. Ah, c'est incroyable, regardez. Splendide, partout. Regarde la pierre que nous avons là, par exemple. Oui. C'est une petite maquette, probablement. Ah oui, c'est une maquette de la montagne qui est en face là. Oui, c'est le Huayna Picchu, la montagne jaune. Ici, l'endroit où nous sommes, le Machu Picchu, probablement. Cet endroit-là, l'endroit où nous sommes, Machu Picchu. D'accord, voilà. Oui, la construction. Enfin, ça, c'est pas juste une coïncidence. Parce que des fois, dans les nuages aussi, on voit des formes. Oui, peut-être. Comme tu sais, on n'a pas des choses écrites des Incas. On ne peut pas dire ça, c'est ça, quoi. Mais c'est toujours le mystère, en fait. C'est beaucoup de mystères ici. Regarde là, en face maintenant. Tu peux apprécier le soleil? Oui. Regarde en bas, les calendriers solaires, les Intihuatana, qu'on appelle. Le Intihuatana, oui. Voilà. Et ça veut dire quoi? Inti, ça veut dire soleil en langue quechua. Oui. Watana, attaché. Donc c'est l'endroit où on attachait le soleil? Non. Sinon, le site, ces pierres-là, probablement, c'est une espèce de laboratoire pour regarder les solstices d'hiver et d'été. Ah, utilisé par les astronomes incas? Par les astronomes incas, oui. D'accord. L'endroit où nous sommes là, tu vois, c'est un endroit magique. Si on vient... Voilà. Tu peux en dire la concentration de la bonne énergie ici. Mmh. C'est la mère Terre. Tu vois? C'est la mère Terre qui nous donne l'énergie pour travailler, pour vivre. Tu peux le sentir? Pas trop. Mais écoute, probablement, c'est parce que tu es un étranger, quoi. Ah, c'est ça. Il faut croire à la mère Terre. D'accord. Il faut croire aux choses divines. Il faut croire à la nature. Donc le message des Incas, c'est que pour que les choses se réalisent, il faut y croire, en fait. Oui, il faut croire, quoi. Mais il faut demander un permis toujours à la mère Terre, à la nature. Faut toujours que la nature soit d'accord. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Machu Picchu, c'était quoi, alors, exactement? Est-ce qu'on sait? Oui, en fait, selon les derniers travaux d'investigation que nous avons faits, Machu Picchu, c'était une ville sainte. Une ville sainte? Sainte. Ouais. Une ville qui était occupée par les prêtres. Ouais. Inca, et qui venait ici en faisant des sacrifices, et la population de tout l'Empire y venait en faisant des pèlerinages.
Donc c'était un peu la lourde Inca. Oui, oui, tout à fait. Mais on est sûr de ça? Ah, ça peut changer. Tout où tu regardes, tu trouves des questions. Et en ce cas-là, c'est mystérieux. Ça reste un mystère. J'étais venu avec 1000 questions, je n'aurais pas vraiment de réponse. Et finalement, c'est tant mieux. Car ce dont je suis tombé amoureux dans ce pays, c'est du mystère. De cette âme si particulière, unique. L'âme Inca n'a pas disparu. Elle est encore là, vivante. Parmi ces Péruviens dont près de la moitié descendent directement des Indiens. Ce qui m'aura le plus ému au Pérou, c'est la sensation inattendue de pouvoir ressentir presque physiquement un soupçon de l'esprit Inca.